dans la deuxième partie de, ce, de cet acte fondateur. Et Monsieur le Président de la République du Sénégal, dans ses formes apparentes, chaque œuvre culturelle, ce monument à travers les trois personnages, un homme géant aux formes athlétiques, sa femme et l'enfant surgissant des entrailles de ce volcan éteint, comme propulsé par une force invisible, traduit un symbole en même temps qu'il porte plusieurs messages. Le symbole, c'est celui de l'Afrique, renaissant et revigorée après 5 siècles d'esclavage, de traite négrière et de colonisation. He, the, has confiscated Senegalese land in order to make some black business and offer himself a monument named African Renaissance. It is a shame. C'est que dans l'islam, la construction des statues est interdite. Dans l'islam, il y a des hadiths et des versets coraniques qui interdisent à un musulman de posséder une statue, ou de la construire, ou même de l'offrir à quelqu'un. Donc... Vive l'Africain, Africain.